Bonjour, internautatrice et internautateur, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On se retrouve sur Terra Invicta où l'initiative arrive à gagner, à grappiller des pourcentages. Il faut que je descende en dessous de 25% pour remporter cette partie. Deux possibilités, soit défoncer des aliens, soit construire un maximum. Et on va essayer de faire un peu des deux. Allez, on continue. On a Citron Ready. Qui va aller nous consolider ici. Securing our interests. Your orders? Deux trucs à vérifier. Fédération. Hop. Madagascar, 29 avril. On est au 1er février. Et l'Islande. Toc, toc, toc. Islande, 29 mars, c'est-à-dire dans 2 mois. J'ai une agitation qui augmente en Union européenne. C'est pas une bonne chose. Ouais, très clairement, ça augmente en Union européenne. Et donc, ça, de ce point de vue-là, ça va. Donc, tu vas calmer un peu tous ces vents. C'est parti. Offering support. Protecting our interests. Voilà, donc j'ai un certain nombre de vaisseaux qui sont en train d'être construits. De toute façon, je suis limité, toujours pareil. Hein. C'est toujours mes métaux nobles qui me limite le plus. Faut faire avec. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Order is returning. Recommencer. Violence is abating. On calme aussi un peu les ardeurs. À Madagascar. Division politique. Alors, qu'est-ce que je veux faire en Union européenne? La valeur de démocratie, elle est de 6,1, c'est pas ouf. En même temps, je m'en fiche un peu. Allez, on va augmenter. On va dire qu'on est des gentils bisounours. Capitalistes, certes, mais gentils bisounours quand même. Alors, Callisto, c'est mes escorteurs de marine. Très bien. Donc, alors, ça va être lesquels? J'en ai fait plein d'un coup. Marines V2. Donc 417, c'est lui. 418. J'en ai fait beaucoup d'un coup. On va essayer de prendre le contrôle de la base alien avec des Marines. Hop. Mais tu vas pas rejoindre réservoir. Toi, tu vas t'appeler Marines. Alors, juste pour tester. Et je les envoie autour d'Europe. Rejoindre la flotte Melvin. Boom économique local. Formidable. Des investissements économiques ont provoqué une forte croissance en Union européenne. Faire converger les fonds supplémentaires à cette nation peut prolonger le boom. Payer 3, gagner 705. Il est temps maintenant de récolter les fruits de nos investissements. Augmentation de son PIB, inégalité, dégâts environnementaux. Ouais. Hop, prolongeons cette période faste. Je ne manque de rien. Alors, tu ne vas pas rejoindre. Par contre, quelles sont tes probabilités? C'est toujours 0%. Chapatapata. J'ai quoi? J'ai 112. C'est ça, je crois. Et la flotte Melvin, elle fait combien?
FSS, oui, ça change pas grand-chose. C'est ça, en fait, cet indicateur-là. Donc, logiquement, comme là, j'ai 233 sur 256, j'ai lancé un autre batch. Donc, 112, si je double, ça fait 224. 224, je serai toujours en dessous. Ensuite, je ne sais pas si c'est linéaire, si c'est exponentiel, si c'est... Faudra peut-être que je fasse une troisième série. On va attendre, de toute façon, on les aura à la fin. La question, c'est combien de temps est-ce qu'on met pour y arriver? Mademoiselle Citron. Mademoiselle Citron, où est-ce qu'on est de l'agitation hein? Tu vas aller sur Madagascar plutôt. Tac. We'll make things safe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai plein d'armées qui sont pas du tout chez elle. D'accord. Oui, les armées américaines, c'est bien possible en plus, hein. Je pense qu'il n'y en a pas une seule qui est chez elle. Retour à la maison. Port Louis, Sydney, Auckland. Oui, je dois avoir aussi des Indonésiennes. Auckland, ok. Peut-être des Indiennes, ça fait tellement longtemps. Mumbai, non, eux, ils sont bon endroit. Ici Tel Aviv, ici Khartoum, Hambourg, Hambourg, Paris, Paris, Canton, Canton, Pékin, Pékin, et Sao Paulo, Sao Paulo. Donc ça va être bon. Confirmer les affectations, hop. Offering assistance. Offering support. Alors, sur Nelibi, j'ai terminé mes chantiers spatiaux, donc je peux lancer. Je vais lancer, lanchons sur Nelibi. Nelibi, c'est Calice. Non, c'est Ganymède. On va lancer d'autres Marines. Pourquoi j'ai encore un quai spatial sur Nelibi? Pas bien. Sur Ganymède, sur Cérès, non, ça, je fais des monitors. Sur Io, je suis en train de les améliorer. Sur Callisto, allez, je vais encore m'en refaire. On verra ce que ça fera quand j'aurai rassemblé tout ce petit monde déjà. Ça, au moins, ça me coûte pas mes taux meubles. C'est toujours ça de prix. Violence is abating. Tu m'en refais un petit coup. Things are stabilizing. Order is returning. Violence is abating. C'est mieux. Ta dégradation de l'environnement. Allons, aidons tous ces petites gens. On est capitaliste, mais on veut garder une planète qui tienne un peu la route. Vaisseau déployé, c'est quoi? C'est les petits booms. Hop. Hop. Vous allez rejoindre la flotte. Jupiter, enfin la flotte. La flotte Melvin. Tu n'as même pas regardé combien de temps ils y seront. 8 mai.
Hop, on reste comme ça. Offering counsel. Offering counsel. Donner la flotte. Ouh, très bien. Continuez. Réparez-vous. Ouais, ça va encore. Things are stabilizing. Hop. Things are cooling off. Vaisseau déployé. Hop. La flotte Saturne qui s'étoffe un peu. J'en avais une autre série. Things are cooling off. Ah, on commence à arriver sur des valeurs correctes. 10 mars. 3 plus 1. Escorteur marine. Tac. Hop. Vous allez rejoindre les Marines autour de Europe. Tac. Et il me faut un projet. Torchicarus. Hop, tu rejoins les Marines. Alors, vous êtes à 224. Quelle est votre chance? C'est toujours 0%. Je sais pas combien il me faut, mais... Attaquez... Bon. De toute façon, la stratégie, c'est en faire toujours plus. Hein. Hop, on est sur des Marines, encore et toujours. Ceux qui sont en réparation. Si je ne me trompe pas... Ouais. Aucune opération assignée. Bah oui, normal, il n'y avait pas de... 17,9 jours. Hop, là vous allez vous réparer. Et donc vous, vous allez, tac, toujours ici, hop, hop. Alors, il y a les États-Unis à consolider. Securing our interests. Et c'est bon. Lending my expertise. Making things safe for our people. I will help them. Alors, rejoindre les Marines. Ah, 100%. Donc en fait, il faut dépasser. Je suis à 304. Ok, et eh ben c'est bon. Bon, moi j'ai la stratégie pour tout. Maintenant, ça va être juste un peu du... Un peu du grind. Jusqu'à ce que ça passe. Things are cooling off. Capture d'un extraterrestre aviforme vivant suite à notre récupération. Évaluation initiale d'un griffon vivant, nous n'avons aucun doute qu'il s'agit d'une espèce pensante. Une intelligence évidente brille dans ses yeux étranges, mais aussi un sentiment qui ressemble étrangement à la peur. Malgré son apparence grotesque, le griffon semble étrangement intimidé, voire soumis en présence d'humains. Il tressaille quand nous nous approchons et ne pose aucune objection à toute sollicitation de notre part, du moins celle qu'il comprend. Ce comportement semble suggérer qu'il est habitué à obéir à des ordres, quelle que soit la place du griffon dans la hiérarchie extraterrestre, elle ne doit pas être bien haute. Et ben ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Première base capturée. Pif. Et du coup, ça la détruit instant. Ok.
Eh ben, GG les Marines. Vous avez fait du bon travail. L'orbite d'Europe est désormais dégagée. C'est quand même carrément cool, ça. Les réservoirs, je vais les envoyer autour de Yo. Non, d'Europe, du coup. On va faire en sorte de coloniser Yo. Non, là, je suis toujours sur les Marines. Je souhaiterais que les réservoirs aillent sur Europe. Europe, hop, interface, histoire de pouvoir installer des trucs et de coloniser Europe. Comme ça, j'aurais colonisé tout ce qu'il y a autour de Jupiter. ASAP. Things are stabilizing. Alors, du coup, intéressant, 3 saisies de biens spatiales qui aurait pu être une autre alternative au fait que je défonce tout. Mais ça aurait été beaucoup plus long de saisir les biens spatiaux. Qu'est-ce que j'ai comme sur Europe? J'ai surtout de l'eau, mais là j'en ai un qui a 13,4. Voilà, celle-ci est pas mal. Je vais faire, c'est pareil, je vais faire des automatisés ici. Ça me prend combien de temps si je veux faire les... Bah non, bon, oui, du coup autant le faire directement comme ça. Bon, je vais faire des avant-postes automatisés partout. Ça va être, je vais mettre en pause pour l'instant. Ok, donc j'ai construit tous mes emplacements sur Europe. Ça m'a fait un petit succès en même temps. J'aime bien les petits succès. Et je me disais que je pourrais faire également la même chose. Sur Mercure, par exemple, même si ça coûte un peu... Ça coûte pas mal de métaux, mais... Ah oui, mais... Ok. C'est vrai que c'était pas ouf. De toute façon, les autres factions peuvent toujours rien faire. Je suis pas encore allé casser ce qu'il y avait autour de Vénus. J'ai peut-être pas intérêt. Ce qui est sûr... C'est que je vais envoyer tout ce beau monde se faire réparer autour. Alors, Jupiter, tac. Autour de Io, je crois que la station. J'ai rien en cours, il me semble. Ah, si, mais c'est pas en. Pardon, c'est en construction. C'est en amélioration, donc pour l'instant, je peux rien y faire. Donc je vais aller du coup autour de Ganymède. Donc du coup la flotte Melvin, hop, elle va sur Callisto, pardon. Celle-ci elle est en construction sur Larson. Désolé pour. Les sonneries derrière moi, si vous les entendez. Donc, Melvin, c'est bon. Les Marines également. Vous allez vous réparer. Autour de Callisto, station Larson. Hop. La flotte Saturne, pour l'instant, ne bouge pas. Eux, ils sont en train d'être réparés autour de Ganymède. Aucune opération assignée. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas... India 428. Alors, Ah oui, c'est que la flotte Marines a changé d'objectif. Il s'est resté loin, en fait, Jupiter. Bon, c'est pas très très grave, ils y arriveront tôt ou tard. C'est mes petits booms. Pourquoi est-ce que eux ils sont pas en réparation là? 559. Ah, j'ai pas assez de métaux nobles. Bon, je vais déjà les réapprovisionner.
ce sera fait. Ok. Bah, je vais devoir attendre un petit peu, du coup, de récupérer suffisamment de méthanol. Hop. Hop. Il y a toujours une période de lag autour du 25 et du 11. Hop, ravitaille-toi. Réapprovisionner. Oh là là, mon dieu, il me bombarde astré. La fuite de réservoir. Oui, du coup, je les ai envoyés alors qu'il fallait pas. Les réservoirs peuvent repartir dans l'autre sens. Donc ils peuvent repartir sur Callisto vers la station Anarson également. C'est où Astré? Pour être une prochaine cible. Non, j'ai Lamberta. Oui, je m'en fous. Juste savoir Astré. Ah ouais, j'avais aussi beaucoup de matériaux fissiles. Ah, je vois les traites de la résistance qui sont là. Réservoir de totem. Réservoir réapprovisionné. Terminé. Les Marines. Hop. Préparation et réapprovisionnement 30 mars. Parfait. Alors, il va falloir maintenant me trouver ma prochaine cible, du coup. Bah, est-ce que ce serait pas Lamberta? Du coup, combien de temps? Est-ce que la flotte Melvin... Non, je vais attendre. Il faut que j'attende que tous mes petits booms, là, ils arrivent sur Jupiter. Je vais attendre ça, ça va me permettre de laisser le temps aux autres de se faire réparer aussi. Les casser là. Casser 1. Parce que j'ai aussi cassé 2. Hop. Sauvegarder le nom. Là j'ai cassé 2. Casser 1, est-ce que je peux te réparer ou pas encore? Ils sont réparés? C'est quoi ce bâtard? Eux, ils sont vraiment encore classés. Ils sont très clairement encore cassés. Bah, il semblerait qu'ils soient réparés. C'est quoi, c'est... Pourquoi j'ai... Nettoyeur... Ah, j'ai un Jupiter dedans, d'accord. Jupiter Go, c'est petit boom. Bon, bah, il semblerait qu'ils sont réparés. J'ai pas vraiment vu ça, mais... Tant mieux. Tu vas rejoindre la flotte Melvin, s'il te plaît, merci. Pardon, affectation. Tac. Alors, citron, s'il te plaît. Ici, je peux faire la fusion ou pas encore. L'unification avec l'instant. Je peux. Tac, puisqu'on est au 1er avril. Let's go. Standing by. Let's go. Et ici... Union africaine, 29 avril, donc dans un mois. Iita, bah tu vas continuer à calmer. We'll turn down the heat. L'agitation à Madagascar. Ouais, le reste c'est bon. Opinion, ça va aussi. I will help them. Offering assistance. Très bien, tout le monde est rentré à la maison.
Marines V2 va rejoindre Marine. Ok. Donc j'ai une grosse flotte de marine, avec 3 étoiles, elle, dis donc. Alors que si elle se fait attaquer, elle se fait défoncer parce qu'il y a 0. Il n'y a rien pour tirer avec. D'ailleurs, là, ça se voit, c'est à 0. Eux, ils arriveront quand? 8 mai. Faut que j'attende un mois. Eux, 12 avril. Ils vont se faire réparer assez rapidement. Ok, je vais avoir. Je vais quand même bientôt avoir fusionné tout le monde. Alors, Cassien va rejoindre la flotte Melvin. Hop. Il reprend un peu de poil de la bête. 29 vaisseaux, 12,2K. Et je suis repassé en dessous des deux. Sur Madagascar. Ok. Est-ce que j'ai toujours pas assez de... Oui, c'est pas très très grave si je récupère pas grand chose. Oui, je suis en déj de... Things are cooling off. Ah. Order is returning. Autour de Callisto. Super aliment. Jamais eu. Une céréale locale cultivée par de petits exploitants dans la région de Khartoum jouit soudainement d'une notoriété mondiale. La céréale fait sensation du jour au lendemain après qu'un chef mondialement connu a attiré, faute de français, l'attention sur ses apports nutritionnels hors du commun et sur ses propriétés culinaires uniques. L'augmentation de la demande a donné un coup de fouet au secteur agricole local. Je peux gagner. Oh putain. Vache. 39K. Il a fait toujours dans le PIB de l'Union africaine varie de 1%. Offrir des prêts, des concessions de terres et des aides à notre développement aux agriculteurs locaux, je paye. Augmente de 2%, inégalité diminue de moins 0,3, c'est pas mal ça. Enfin bon, ceci dit, PIB qui varie de 2% avec un PIB de base de 10 000, ouais, 10 000 milliards. Et là, ça fait quoi? Je gagne plein de thunes et j'augmente les inégalités. Non, ouais, c'est pareil, hein. Toujours plus intéressant de faire ça. Hop, mais combien de top? Bien augmenté quoi. Ceci dit, là je vois que je suis en bien-être à 100%. En Union africaine, je vais pouvoir commencer à augmenter comme cela le PIB. Ça va être une très bonne chose et ça s'est unifié. Et plus un point, formidable. Ok. Où est-ce que j'en suis ici? Ouais, j'ai le contrôle de mission aussi augmenté. Ou pas. J'ai quand même encore 50% de marge. Ouais. On va faire en sorte de n'augmenter le contrôle de mission que quand j'ai un PIB qui est quand même déjà correct. Genre là. Putain. La vache. Éducation 15,7 quoi. 9,2K. C'est tellement énorme. Là je suis en bien-être encore. Ah oui, putain, je suis encore à 3,1. Sur l'amélioration du bien-être, ici, 2,4. Contrôle de mission, on laisse tomber. J'ai tout ce que je veux, on augmente le PIB. Je suis à 10 000. Hop.
Là, je fais diminuer les inégalités, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est très bien comme ça. Là, pas de contrôle de mission à améliorer, c'est formidable. Ok. Bon, bah, on est pas mal. Toutes les missions, toutes les missions. Ouais, je me dis qu'à 50 000, j'arrête d'améliorer l'économie. Allez. On est pas mal. Coup de chance. Yeah. Hop, on améliore de 25% seulement. Mais on va pas cracher dessus. Alors, tu as terminé ton transfert. Eh bien, commence à te réparer. J'espère que tu peux le faire ici, sur Callisto. Oui, normalement, tu vas pouvoir le faire. 16 avril, réparation, c'est très bien. Petit boom, tac. Alors, petit boom, donc c'est mon deuxième batch. Où est-ce que je vais l'envoyer? Je pourrais l'envoyer sur Lamberta. Sur Lamberta, je pourrais l'envoyer. Tac. Non, c'est pas ça que je vais faire dans ce cas-là. C'est chiant que la barre de. Voilà, ça. Je vais l'envoyer en orbite haute. Ah, je mets 8,2 heures. Ça va. Ça va. Donc, on va pas le faire tout de suite du coup. Hein. On va attendre que. On va les faire attendre ici, bien sagement. Ce sera petit boom 2. Hop. Sauvegarder. Toi, tu vas être petit boom 1. Ok. Module terminé sur CRS. Quelque part, je m'en cogne un peu. Il ne me reste plus que Madagascar à consolider, enfin à unifier, ce qui est presque fait. Là, on va diminuer un peu l'agitation, qui est un peu agitée, un peu haute à mon goût. Là, je suis à 0,8, donc... Ah zut, j'avais deux trucs. Hop. Ah oui, il faut aussi que je reconsolide l'Europe. Ready to go. En fait, tac, tac, tac. Securing our control. Et du coup, Gilou, plutôt, tu vas me faire ça. Making things safe for our people. Alors, casser deux et réparer, tu rejoins la flotte Melvin. Donc, la flotte Melvin est désormais complète. Ils m'ont juste petit boom 1. 31 vaisseaux, 12,5K. Allez. Hop, va là-bas. On a dit qu'on allait aller chasser cette base-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout le monde. Je vais envoyer les Marines, je vais envoyer les réservoirs. J'ai très très peur. J'ai très très peur qu'ils me ciblent mauvaise flotte et que j'arrive pas à les défendre. Non, en fait, il faut que je fusionne tout le monde. Et... J'ai quoi, j'ai raison, je vais fusionner tout le monde.
Je vais réapprovisionner tout le monde. Hop, et donc on va aller ici, c'est la prochaine étape de notre voyage. Orbite basse sur Victor 64. 5,19 semaines. J'ai les réservoirs, je peux en reprendre. Tuk tuk. 5,19, 129. 65, je vais faire ça. Allez. Go. Chase your worthless gold if you must. Meanwhile, we will save. Ça alors. Ça va être la première fois dans cette partie que c'est les autres qui me contactent. Qu'est-ce qu'il veut? Pardon. Et juste non. Moi, si tu veux. Putain, non mais c'est juste n'importe quoi. C'est juste mais. Ouais. Pour la peine, hein. Comme t'as été sympa, je vais te donner. Je vais t'en donner 20. Non, c'est pas assez. Oh la vache, en plus, il est exigeant. Ah ouais, rien que ça, s'il lui donne tout mon commandement, il en veut pas, quoi. Ah la vache. Ils sont d'une exigence. Oh là, il faudrait que je lui donne tout ça. Mais non. J'ai pas vraiment besoin de. Ça fait mourir de rire. Moi, ouais, si tu fais pas ça. Mais défoncer la tronche. Securing our interests. Oui. Oui, oui. Pourquoi je vois pas le trajet de. Ah si là. Things are stabilizing. Hop, très bien, recommencer. Sur Europe. Donc j'ai toutes mes stations sur Europe qui sont en ligne. Réacteur à fusion. Inondation majeure à Hambourg. Sur Yo, très bien. J'arrive pas à monter ça. Je sais d'ailleurs pas trop pourquoi. Je sais pas ce qui m'en consomme autant. Qu'est-ce qui me bouffe? Je sais pas du tout ça. J'ai des constructions qui. J'ai des constructions de vaisseaux qui me les consomment. Je dois plus avoir grand chose là, si. Ah si, j'ai des petits booms, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, je vais les annuler. Hop. D'accord, ici aussi j'avais encore ça. Ça me permet de reprendre un petit stock. Le califat. Je le trouve chelou ce. Je sais pas ce que vous en pensez, ce drapeau du califat tout noir là. Protecting our interests.
Ready for my mission. Et donc, je peux consolider accessoirement. We'll restore peace to this nation. Je peux finir d'unifier toute la terre. Puisque normalement, si je ne me trompe pas, tac tac tac, unification de Madagascar. Et j'aurai désormais, j'aurai ensuite plus rien à gérer sur Terre à part. Mais non. Je te donne ça et ça, mais non. Juste non. Offering assistance. En plus, tu peux même. Ah si, bah, je me disais qu'il pouvait pas l'équiper, mais s'il peut, s'il a des conseillers qui viennent de Russie. I will help them. Je pense que c'est un peu hégémonique. Order is returning. Hop, encore un petit coup. Things are cooling off. Eh ben non, du coup, tu t'arrêtes. Boom, terminé son transfert sur Europe. The final countdown. Petit boom 1. Je pense que t'as pas assez de jus. Bah, tu peux aller te. Ah bah non, parce que du coup j'ai rien mis dessus. Je vais être réapprovisionné sur Callisto. Sur Ganymède, Ganymède. Assèchement. Tant pis. Unification est confirmée. Nouveau point de contrôle. Ah non, j'en ai toujours un 5. Et donc, j'ai désormais une opinion publique qui doit être relativement élevée. Ça va. Autant dire que j'ai beau avoir fait quelques atrocités, les gens m'aiment plutôt bien. Ouais, ça c'est des points que je pourrais essayer de me dire que je pourrais aller chercher. Mais bon, la flemme un peu. Donc j'ai désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays. Unité politique, GGI. Ça sert plus à rien. Ça sert vraiment plus à rien. De toute façon, plus rien ne me sert en fait. Socio-environnementaux, formation et l'éducation. Les États-Unis et Amérique du Nord, c'est l'unitaire. Ils sont combien à 7,3 ? Hop, ravitaille-toi, terminé. Et du coup, petit boom 1, tu mets combien de temps pour rejoindre. La flotte Melvin. C'est Lamberta. Tac. Lamberta. Non, tu. Tu es 3,83 semaines. En grillant tout ton jus. On va l'envoyer comme ça. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais c'est pas grave. Il va se planquer. Sa cible va se planquer. Hop. Votre Melvin. Ok. Bien. Et ben sur cette unification du monde. En 9 pays blindés, je vais arrêter cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser
un petit commentaire, un petit pouce, un abonnement sur Discord, plein de discussions, on aime ça. Des bisous, des bisous.